Les petites mains s'empressent d'ouvrir les cadeaux. La joie se lit sur les visages. Pour les enfants et les parents présents ce matin, c'est Noël avant l'heure. Et Bobby, un princesse. Et l'autre, c'est quoi ? Dora. Chouette parce que cette fin d'année, fait plaisir que ma mère est gâtée, même si elle n'est pas évidente pour acheter cadeau pour 6 mamans. Ça prouve que ben, tout le monde ensemble, ça donne beaucoup de choses, quoi. Si le Père Noël en personne distribue les cadeaux, les marmailles écoutent également les récits d'une conteuse et les chants rythmés de Christine Salem, marraine de l'événement. J'ai envie de faire une action pour les marmailles, en tout cas pour les familles, puis la pointe vraiment des moyens. Et je pense que toute marmaille a droit à ça. L'esprit de Noël se fait ressentir. L'événement n'aurait pas pu exister sans la solidarité des participants et des bénévoles. Les gens ont été très généreux. Nous avons récolté quasiment 800 jouets qui nous ont permis donc d'offrir vraiment des jouets de qualité à ces enfants qui n'en auraient pas eu. Tous les enfants qui étaient présents ont vraiment reçu quelque chose et nous aussi. Cette première édition est un succès pour les organisateurs. Ils souhaitent étendre leur action l'année prochaine.